c'est sur quoi.fr. Je m'appelle Rouge et je suis DJ et producteur. Je fais aussi mes propres sons à côté du DJ. J'ai commencé par la prod il y a 1 an et demi, presque 2 ans maintenant. J'ai rien sorti pour le moment, mais ça devrait pas tarder. Et à côté de ça, ça fait à peu près 1 an que je mixe. Ben, c'est venu très naturellement en fait. Si tu veux, j'ai commencé à faire la production dans mon coin au lycée, juste pour m'amuser comme ça. Et en fait, après mes études de marketing, parce que j'ai fait une licence de marketing avant ça, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je veux faire. Et j'ai arrêté mes études une fois que j'avais validé ma licence. Et je me suis mis à faire de la production à plein temps. J'ai 3 tracks qui sont quasiment finis. Je suis pas dans le projet de faire un EP encore, mais je vais essayer de les sortir prochainement. J'ai fait quelques dates déjà, vu que ça fait pas très longtemps. On va dire que les premiers mois, c'était vraiment de l'entraînement intensif, quoi, seul chez moi. Mais j'ai fait quelques dates dans des boîtes à Marseille, dans des bars, vu que je viens de Marseille à la base. Et là, c'est la première fois que je joue en dehors de ma ville, donc à Valence. La première en dehors de Marseille, ouais. Et non, mais ça va être très cool, j'ai hâte. J'ai aussi fait le Delta Festival, c'est quand même important de le dire. J'ai fait le Delta, donc c'était sur les plages du Plateau à Marseille. Et c'était mon premier festival, je crois. C'était génial. C'était stressant, après j'ai fait qu'une heure. Mais c'était intense, quoi. Je me suis régalée. C'est très différent parce que ben, pour ma part, ça, tu laisses moins de part à l'improvisation comme tu peux le faire quand tu es en club ou en bar. Ou... Là, c'est vrai que j'avais quelque chose d'assez préparé. Quoi. Ou là, par exemple, ce soir, je serais plus dans l'impro. J'aime bien aussi faire en fonction du public, etc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on me le dit souvent. Mais j'aime bien ce côté-là aussi de surprendre les gens en fait. Que quand tu me vois, tu te dis peut-être pas qu'elle est aussi énervée, mais finalement. À la base, j'adore tout ce qui est basse musique. Donc vraiment, ce qui tape bien. Et c'est vrai que j'essaie de retrouver cette ambiance-là dans la techno. C'est pour ça que je m'oriente vers une techno qui est vachement électronique, qui tend un peu vers l'acide de temps en temps, mais j'aime bien dans mes sets, si tu veux, varier un peu et pas rester monocorde sur le même style tout le long. Et je sais que dans mes sets, je vais pouvoir alterner à la fois de la techno, à la fois du mid-tempo, peut-être des fois de la bass house ou quelque chose comme ça. Et c'est vachement intéressant, je trouve, de pouvoir varier les styles comme ça. Totalement. Surtout dans la production. Vu que j'écoute énormément d'OST, de jeux vidéo, d'animés, vu que j'aime beaucoup aussi les mangas, etc. Ça m'influence vachement, ouais. Il y a des univers qui me parlent vraiment. La série télé que j'aime bien en ce moment, après tout le monde, j'ai découvert Viking. Et j'adore. J'adore, vraiment. The Riddle. L'artiste, je ne sais plus qui c'est, mais tu la mettras en fond si jamais. Ça, c'est, j'aime bien. C'est mon guilty pleasure. Sur Instagram, Rouge Musique, et Facebook, pareil, Rouge Musique. Marseille. Rap. Ah, je sais pas. Rock. Ça dépend ce que t'entends par électro. Reggae. Est-ce que j'ai le droit de choisir? Il y en a aucun qui me parle. Ah, CD, parce que je gère pas les vinyles encore. En festoche. Radio. Série. Ça dépend l'artiste en boîte, et ça dépend chez qui. Burning Man. Enfin, chocolat, évidemment. Kebab en fin de soirée. Burger quand c'est tranquille. Sushi. Radon.
Bioport, parce que j'y suis plus souvent. Bouillabaisse. Non, je rigole. Non. Non, IAM, bien sûr. Ouais, Laurent Garnier. Daft Punk. 2018, vu que je l'ai connu vraiment. Warcraft. Zara. Rugby, je prends plus de plaisir à regarder. Ça dépend l'occasion. J'aime bien le vin rouge, mais la bière en toute occasion, ça passe. Ah, aucun des deux. Plus une dog person, je pense. Instagram. Samedi. Soleil. Été. Vacances à la mer.